Bonsoir tout le monde. Au journal mi-temps journée sous télévision nationale d'Haïti. Pour qu'elle est là, nous allons recevoir la collaboratrice Nicole Selom pour conditions météorologiques journée. Salut à tous, avec un peu de plaisir, je nous connais là. Moi, retrouvez nous aujourd'hui pour bulletin météorologique là, qui j'en condition à Isopéa, et bien c'est ça nous voir Kounia avec différents images nous. Guillaume Asdia qui plus ou moins était stable pendant une semaine ça au niveau pays d'Haïti par rapport à une zone de haute pression qui chita sur l'Atlantique là. Ça permet à ce que l'activité la plus réellement limitée au niveau pays hein, pour aujourd'hui. C'est seulement quelques petits averses isolées qui ont fréquenté quelques départements dans le département sud là, surtout avec au niveau la Tibolite, mais franchement c'est des averses réellement faibles, isolées qui ont touché pays hein, pour aujourd'hui. Pour vous savoir que les gens qui sont sous côté, il y a un temps qui était stable après-midi en tout, avec présence de quelques nuages, pas eu trop de chance pour la pluie de tomber au niveau pour presse aujourd'hui. Hein. Température maximale là, vous c'est entre 30 et 33 degrés Celsius, minimale là, descend à 20 à soir. Hein. Et j'aimerais dire, non, pas eu trop de chance pour la pluie qui tombe au niveau pour presse aujourd'hui. Hein. La page maritime là, au niveau côte nord, golfe de la Gonâve avec côte sud pays, hein, c'est des vagues plus ou moins tranquilles qui fréquentent les côtes aujourd'hui. Hein. Donc c'est pas trop agité. Mais quand même, n'a pas rappelé capitaine, il est toujours très prudent, les apprendre au large au niveau côtier pour aujourd'hui. Et pour nous finir la page astronomique, là, le soleil a couché sous port pour aujourd'hui, c'est 5h33, et il y a plus de demain matin à 6h25. C'est un réel plaisir pour moi d'être avec nous pour toute information sérieux. Merci pour attention, nous. Bon après-midi, excellente soirée. Un grand merci à Nicole Selom. L'autre équipement Ibn Akiral qui trouvait dans le magasin l'État. Visite ça entrée dans le cadre de retour en Valentin bâtiment Radio National qui n'a même ri ça. C'est en visite tout pour vérifier. C'est yo dans moment caravane changement à présent dans le département l'Ouest là, 7 février qu'a venu là. Président de la République là, Jovenel Moïse, dans le micro Sabine Jean-Étienne, Anne-Jean-Naël Duvernay. Vous comprenez bien là, c'est Radio National, ça veut dire dans cadre de réparation. Que nous avons fait pour Radio Nationale reprendre le local, moi été jugé bon pour regarder l'environnement radio. Pour moi, comment l'environnement est. Est-ce que radio, l'argent l'État dépensé à l'argent taxe à quelqu'un pour le peuple, est-ce que les propices pour me dépenser comme ça là? Et puis, nous venons dans notre gros cimetière. Un cimetière camion, encore, sur tout l'autre cimetière camion qui vient dans le pays. Ici, là, dans 300 000 dollars, chaque grain. Là, il y a 30 camions comme ça, qui campent pour des pannes mineures. Mais sauf que, il y a quelques petits problèmes techniques, responsabilité qui vous prend pour te faire réparer l'équipement, pour te faire entretenir, responsabilité ça ou pas de prendre. Je vous dis, nous-mêmes, nous venons, comme nous disons, nous avons continué, nous avons corrigé, nous avons innové. Ça, son correction, nous va le porter pour nous sauver 9 millions de dollars que l'État haïtien dépense comme peuple là pour nous, comment pour nous faire camion ça, dans l'esprit caravane qui va lancer dans l'Ouest là. Parce qu'il ne faut pas oublier que le département de l'Ouest sont gros département. Chaque direction départementale va avoir 10 grands camions. Ça veut dire, on dit 8 camions, c'est ça, ministre, ouais. 80 camions. 8 ouais. Camions. Parce que je dis 10 camions, chaque direction départementale. Maintenant, 10 camions, pas qu'à faire rien pour le département de l'Ouest. Mais avec ça, nous, là, 30 camions tout neufs, qui ont des pannes mineures, qui ont des pannes directeurs, sur dit que les camions sont en panne clé. Nous, on dit ça, veut dire clé camion perdu et puis camion en panne. Parce que, pas gagné un côté que le camion nous clé pour camion. Ça veut dire que le camion ça c'est sous masse. Yo fabriquer c'est pas sous plat de terre. Il dit moi dit ça, moi vinn là, moi pour demander compagnie ça qui te vend l'état ici un camion ça. Rapidement pour ministère de la République là entrer en contact avec yo. Jodi a nous le 12 janvier. Son jour symbolique pour pays. Son jour triste pour le pays d'Haïti. Aujourd'hui, nous décidons pour nous commencer la reconstruction du pays. En grand monde. L'un des grands mondes pour nous recommencer la reconstruction avec ça, pays d'Haïti gagne. Ça, son pack équipement que le pays d'Haïti gagne. Pour que le concessionnaire s'active devant l'État ici en camion, pour rapidement, février, avant 7 février, pour gagner une quantité dans le camion, ça même si ce n'est pas tout 30 ans, parce que nous ne pouvons pas tout bien, avant 7 février, pour un camion qui paraît
responsable direction protection civile dans le ministère intérieur collectivité territoriale, réalisé une journée exposition tableau sensibilisation sur risque sismique vendredi 12 janvier 2018 là sous champ de Mars. Activité 5 réalisée dans l'occasion 8e année commémoration tremblement de terre 12 janvier 2010, faite dans l'idée pour continuer sensibiliser population hein, sous comportement yo doit gagner pendant tremblement de terre à façon yo doit construire caille pour éviter bien plus dégâts dans moment catastrophe naturelle. Joseph Edgar Célestin c'est yo nan responsable. Donc yon moun ki suiv exposition ça ou kap wè tout effort qui fait non seulement avec tableau movio pour nous connaître danger ou bien danger qui est tremblement de terre ou bien deuxième tableau bleu pour nous connaître qui effort qu'a fait pour faire moun yo former pour sensibiliser population dans l'école mais également dans la communauté pour nous connaître danger ou bien et puis tableau gris pour nous voir comment justement pour construire plus bien. Pour construire plus bien, technique construction, formation pour maçon, tout ça pour nous capables d'avancer. Et puis l'autre tableau après, orange, c'est qui est fort qu'a fait pour le théâtre à trembler, pour nous capables de porter réponse avec volonté de protection civile, cap conformation, mais tout, la Croix-Rouge, pompiers, avec tout l'autre corps qu'il a pour faire gestion urgence dans le pays. Pas qu'il y a des évaluations qui sont faites de façon systématique, mais il y a des événements qui montrent nous plus ou moins qui sa population. Par exemple, aller dans l'aire de rassemblement, parce que dans la zone, ça a lui-même, nous avons mis des panneaux signalétiques qui montrent que nous avons mis zones danger, mes zones qui ne sont pas danger, mais qui route pour faire pour aller dans la zone qui n'est pas danger. En commémoration 8e anniversaire tremblement de terre 12 janvier, président de la République là, Jovenel Moïse, posé première roche pour reconstruction palais national. Cérémonie ça a déroulé en présence première dame de la République là, Martine Moïse, premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, président de branche non parlement, à représentant corps diplomatique à conciliaire. Un reportage Sabine Jean-Étienne avec Jean-Naël Duvernay à présenter. 8 l'année après tremblement de terre 12 janvier 2010 là, président Jovenel Moïse posait action tout haïtien tapten nan. Li mette premier roche pour reconstruction palais a qui était considéré comme plus bel palais dans Caraïbes là. Président République Jovenel Moïse reconnaît malgré toute difficulté à mauvais moment qui frappait pays a, peuple haïtien rete un peuple qui gagne pile courage. Pendant li fait konnen, li lè li temps pour responsable suspend qui était citoyen yo construit Jean yo vle n'importe côté yo vle. Tap ça doit rappeler nous chaque jour. Que ça fait un peuple fait progrès, c'est l'aile capable de bataille pour le bail tête des règles pour faciliter le vivre ensemble. C'est l'aile capable de bataille pour le bail tête un paquet de règles qui non seulement permettent de vivre ensemble, mais qui fait respecter les règles de règles ça a un rapport avec gens nous vivent, gens nous organiser la caille nous, gens nous lever petit nous, gens nous gérer business nous, gens nous vivre une avec l'autre dans voisinage, gens nous respecter autorité. Règles ça a un rapport tout avec gens nous bâtir caille nous et qui côté nous bâtir caille nous. Nous pas capable de bâtir. Nous n'avons pas le droit de bâtir dans n'importe quelle condition et refuser sa autorité. Sa autorité, l'État, magistral, Kazek, président, ministre, premier ministre. Ça, il dit sur qui côté nous avons bâti et qui côté nous n'avons pas bâti. Négligence, lion, cause malin. Ingénieur Clément Bélizer, coordonnateur groupe travail avec réflexion sur reconstruction palais, a porté élément réponse sur toute question qu'a posé sur processus reconstruction palais présidentiel là. Pendant les bail garantie, différentes étapes reconstruction ça a déroulé dans respect normes construction yon bâtiment dans 30 palais national. Le palais national qui sera le fruit de la présente initiative du gouvernement Moïse Lafontaine harmonisera la mémoire de l'œuvre de Georges Boussin au mieux avec les vœux de la population, de la présidence et accommodera confortablement le programme des besoins, les nouvelles technologies avec une consommation énergétique la plus économique que possible,
des aménagements intérieurs et paysagers de qualité, et tout ceci dans un langage architectural cohérent. Ce sera un bâtiment moderne, reconstruit en mieux, parfaitement équipé et prenant en compte notamment les normes d'accessibilité universelle et de protection de l'environnement. Ça fait troisième fois dans l'histoire du pays d'Haïti, Palais National détruit dans le même espace-là. Dernier souvenir, papa haïtien gain de Palais ça, c'est un bel bâtiment, trois étages, qui étendent sur environ 20 mètres. Jeudi, un groupe ingénieurs, architectes et historiens décidé de lever gros défi pour remettre le bâtiment ça sous pied avant fin mandat président Jovenel Moïse là, 7 février 2022. Faculté linguistique impliquée FLA, c'est une parmi entité dans l'État et l'Université d'État qui était plus touchée pendant le tremblement de terre 12 janvier 2010. Là. 8 années après, FLA continue à fonctionner dans l'abri provisoire. D'après droit et faculté ça, professeur Renaud Gauvin, construction, bâtiment, campé à cause moyen économique. Woodley Noël, Abdino Plis. Nouveau bâtiment ça a permis responsable augmenter capacité à quelle faculté a qui réduit après 12 janvier 2010, créer nouveau département et puis permettre étudiants apprendre dans plus bonnes conditions. Reconstruction ça qui commençait depuis plus passé de l'année campé à cause moyen financement d'après précision responsable. Nous gagnons un bâtiment derrière la construit qui seulement bonne possibilité pour nous gagner une dizaine de salles de classe. Malheureusement, non seulement faire rez-de-chaussée, non pas gain moyen pour nous. C'est un bâtiment qui doit coûter seulement à l'époque en 2014, nous avons fait un projet qui était de coûter 16 millions de gourdes en pitance pour une institution d'enseignement supérieur. Mais jusqu'à présent, nous arrivons seulement faire rez-de-chaussée, non pas capable de monter plus haut. Nous déposer, nous faisons pile démarche auprès de l'institution, auprès de primature, auprès de l'État haïtien, mais jusqu'à présent, démarche n'a pas été infructueuse, n'ont pas gagné réponse. Parce que n'ont pas gagné local, ça fait tout nous fonctionner presque au rabais, parce que nous gagnons actuellement deux filières, deux départements qui ont fonctionné, c'est un département de linguistique formel et un département de traduction. Et nous entendons mettre sous pied deux autres départements qui, pour faire faculté à fonctionner, répondent véritablement à exigence sur faculté, c'est-à-dire une institution d'enseignement supérieur côté où plusieurs disciplines y ont enseigné. Et pour nous arriver à faire ça, nous obliger à joindre un espace qui a des quoi qui répondent à ça. Dans l'occasion, droit et faculté linguistique appliquée à Renaud Gauvin, profiter exprimer doute par rapport à projet construction yon campus pour l'université l'État dans Damien l'aile considéré processus reconstruction plusieurs entités qui déjà ont exécuté. J'ai l'impression l'université a joué sous deux tableaux. L'université a li pas véritablement fixé sous question et campus là. Je vais prendre deux exemples pour justifier ça. Mais concernant la faculté de médecine, il fait qu'il inaugure un bâtiment qui dans l'ancien local, sous même site côté OTR. Nous gagnons une faculté des sciences qui actuellement a construit. Si vraiment vous mettez le cap sur campus d'Amiens, vous êtes capable de tout construire bâtiment faculté des sciences d'Amiens. Vous êtes capable de tout construire bâtiment faculté de médecine qui inauguré déjà ça fait presque une année d'Amiens. Ça montrait que projet campus là, même responsable université, on pas certain quoi là-dedans. Pour marquer 12 janvier 2018 là, décanat faculté linguistique appliqué organisé une journée réflexion dans l'espace faculté à. Dans mois cap vinyo, FLA pral fêter 40 ans existence li. Le dossier dans le journal ça, une délégation ministère agriculture, ressources naturelles et développement rural accompagné à quelques représentants Fonds international pour développement agriculture FIDA, visiter une série de travail traitement ravine qu'a réalisé dans le département NIP. Visite ça, c'est pour permettre de constater dans quel niveau travail avancé. Le reportage Anne Marguerite Auguste. Ni sec, seuil à crampe, c'est construction qualité barrage ça qui fait dans environ 11 bassins versants dans le département Niplan, dans le cadre de travail, traitement ravine, ministère agriculture a réalisé dans le département ça. Travail ça a fait dans l'idée pour diminuer la quantité de gaz, de l'eau qui a sauté dans la tête monio et puis empêcher les terres d'aller dans la rivière. Décision ça, d'après responsable ministère agriculture, participer dans les efforts qui a fait pour remembrer l'agriculture haïtienne. Dans le cadre de travail ça, bénéficiaire a planté
pied à fruitier cap aider améliorer conditions vie moun nan zone concernée yo. Bénéficiaires yo di yo apprécié travail qui fait là cap empêcher yo inonder nan moment la pluie ak cyclone parce que inondation qui kon gagner kon la cause yo perdi proche yo. Yo souhaité ministère agriculture continuer à travail là ça cap diminuer inquiétude yo nan période la pluie ak cyclone. Avec travail ça, il va faire des gars encore parce que l'air doit sortir en l'air, il est en jeune, bon, là, il est en coupé avec quantité force qui compte descendre, il va descendre avec même quantité force, ça toujours parce que on remplit à guet en barré, là, pour sa quantité de l'eau pour sérieux d'arriver à recevoir, depuis en l'air, là, guet en diminué. Travail là, bah, un bon résultat parce que je pense que des gars de l'eau, qu'on a le fait en bas, il va pas le faire pour rien. Nous, on fait continuité pour nous parce que nous, on a des avis, on a pas de problème, toujours supérieur. La pluie tombée, côté qui ravigno, il y a réellement te paraît comme un danger pour nous les yo aller et tomber dans la rivière Pascal et comme ça yo prend tout ça rejoindre sur yo donc pour yo capable dégrader on t'a dit et bassin Vincent mais avec on t'a dit Fida, comme dit franchement, nous joignons en pile parce que yo formé nous t'a remet que et continuité projet ça pour nous avoir l'autre encore qui t'a pour venir faire de façon pour nous être capable d'y subsister avec besoin que nous gagnons dans la 4e section communale. Si lui pour continuer avec projet ça, nous pensons qu'il y a plus de bagages à faire et puis nous ça nous fait déjà il y a moins de continuité et il y a l'autre bagage qui peut faire toujours comme si avec ça la population va lancer le football ici. Il y a des mesures qui déjà commencé à prendre et compte de monde qui soit la bête et à travers l'élevage les bio ou du moins ce qui est censé et marrer bête et sur un bio. Donc nous espérons que y a pas plagué là seulement donc y a continuer et ben nous assistance tout comme nous dans niveau comité là donc on va continuer mettre tête ensemble pour écrire ensemble de projets et voir comment que nous capable faciliter continuité de travail dans niveau et bassin Vincent Abraham. Il a fait canal irrigation pour nous et il a capté de l'eau égal pour nous capable faire travail ça. On t'a voulu pour d'abord mon petit encadrement égal pour nous capable continuer travail. On pas dit chaque année pour ta rabou était gratuite ben nous voulons gratuite mais mandé pour ta faire quelques améliorations par exemple nous pas de boutique et tout. Et puis nous pas gagne tout pour pépé capable de nous dans ça. Qualité barrage ça yo fait tout dans objectif pour canaliser de l'eau yo pour user jardin paysan yo. Travail ça diminuer les efforts qui t'a dû fait pour aider de l'eau arriver dans jardin monio. Responsable ministère agriculture m'a des paysans yo pour prendre soin barrage yo, empêcher yo craser pour faciliter communauté yo vivre plus bien. Pendant passage yo dans département Niplan, dirigeant ministère agriculture yo profiter distribuer plan manger by agriculteur yo dans l'idée pour répondre en partie à préoccupation yo te ka gagner pendant campagne hiver a sous qui côté y a jeune semence. Projet ça te permet de labourer 11 carottes pour agriculteurs et puis créer moyens pour user jardin yo. Pourquoi il est là dans fond coup de pied dans département nord-ouest pays. Association Kazek dans département nord-ouest mandé autorité dans pouvoir central là pour voir garder famille et paysans qui étaient victimes pendant moun ki gen kay écrasé ak sa ki endommagé rekonstruit logement yo projet assainissement ki doit réaliser dans toute 41 section communale département nord-ouest là ak Sainte-Ville pour les paix c'est quelque parmi attente association Kazek dans département nord-ouest là après gros la pluie qui était fin causer gros dégâts dans région ak no pabli et tout secteur agricole qui touché en pile côté paysan yo lagué des bois balancé à cause l'eau poté aller toute sa hauteur gen comme plantation dans section communale yo ak divers son route l'eau écrasé qui doit améliorer. Une après l'autre, Guillaume Saint-Hilaire et mon Mister Vilus qui sont respectivement porte-parole avec mon association Kazek Nord-Ouest. Nous-mêmes, association Kazek Nord-Ouest, nous devons voir nous bien haut pour nous demander au gouvernement pour l'accompagner nous. Parce que la population, aux abras, nous besoin d'assainissement dans chaque section communale. Toutes routes sont coupées net presque dans toutes 41 sections communales qui sont dans le département Nord-Ouest. Là, pour le gouvernement, tu es capable d'accompagner nous, voyez, tol pour nous, voyez, bois de pacap pour nous, clou, etc. Pour venir parce que au moins quand même nous reconstituer et Kaysayo qui vraiment arrive détruit, que son bête paysan qui détruit, jardin, pas de banane, pas de manioc, pas de congo qui était. Toutefois, nous souhaitons toute aide qui est destinée pour
victimes yo dans section communale yo surtout passer directement dans mes mêmes collectivités territoriales yo pour éviter ça qui vient pour peuple la fait chez Mekochi Jean président République là remet dit ça. Réponse vient dans nous directement parce que souvent les réponses viennent yo pas viennent dans nous même kazek fois ça faut venir directement dans nous moun qui dormi avec Jean c'est eux qui connent ronfler Jean. N'a souligné période de tempérie ça sur nord-ouest c'est la cause 6 moun mouri 12 lot blessé 2435 cailles inondées 644 cailles endommagées et 317 lot qui détruit net ça qui bail un total 3396 familles qui sinistrées qui besoin assistance selon précision délégué départemental nord-ouest là agronome Aurel Teyo qui toutefois renouvelé volonté gouvernement pour accompagner victimes yo depuis c'était cap pour la mort pour de paix Mok Edi Osam antenne télévision l'état. Dans ville Gonaïve, en Bélan, dans Berlin-Kersin, professeur Bellet, promoteur Kiltirel, boulé samedi 13 janvier passé à visa américain pour le pas jamais aller aux États-Unis après déclaration président américain Donald Trump. Exalus Mergena pour plus de détails. Maître Bélan Berlin-Kersin, professeur Bellet, promoteur Kiltirel dans Gonaïve, boulé visa américain, il était joué dans la date 30 octobre 2013 et qui t'a expiré 28 octobre 2018 là. Citoyen prend décision ça samedi 13 janvier en bas pied statue en Pérou Jean-Jacques Dessalines qui sous place Dame Gonaïve là pour exprimer mécontentement li à président américain Donald Trump qui dit Haïti Kersin qui dit réaction là pas émotionnel dit il prend décision ça pour le pas jamais retourner aux États-Unis côté il déjà visité pendant deux fois déclaration maître Bélan Berlin Kersin moi-même pour pas jamais aller aux États-Unis encore m'étais allé deux fois déjà parce que nous sommes dans un pays de merde un pays latrine me brachez pas le visa et bouler. Et nous même n'a fait là l'écouter le doit aller pour monsieur Donald Trump car elle tout parce que ça elle te dit à l'église sous moi et y'a pas besoin de visa pas besoin de demander encore tout pas besoin aller aux États-Unis encore tout car non l'autre mais pas jamais États-Unis est-ce que on a visa bouler là n'a pas nous information sur lui même qui date où tu gagne combien am gagne combien visa m'a baou visa expiré en octobre 2018 année ça là voyager deux fois sur lui déjà mais c'est réponse à Donald Trump et réponse à Donald Trump et ses réactions pam qu'est-ce que bouler visa là en bas monument Jean-Jacques Dessalines qui sous place Dame Gonaïve là au lieu symbolique donc qui ça veut dire ça veut dire au minimum attachement reconnaissance respect pour moun sa yo qui ban nou pays ça que je dis à Donald Trump traiter de pays latrine de tout latrine professeur Akwer c'est pas normal pour un président américain à traiter Haïti pays de merde et Donald Trump pas mieux placé tout regardez déclaration bien attitude Donald Trump pour la bien tout lui-même son question de arrogance impérialiste qui fait Donald Trump qu'a osé traiter Haïti et tout notre pays africain latino de pays de merde même penser son arrogance même si c'est pas en réalité mais au président actuel des États-Unis d'Amérique pas cap traiter au l'autre pays de merde ça veut dire tout latrine pas qu'à faire ça et surtout les parler des questions d'immigration des plein monde en Haïti haïtien haïtienne qui États-Unis et gagne yo qui voter Donald Trump parce que se sont fait naturaliser américain américaine maître Bélan Berlin Kersin souhaite autorité haïtienne yo prendre décision claire pour montrer mécontentement yo contre déclaration président américain. Yo ta doué relé ambassadeur américain en Haïti avec tout personnel consulat ambassade là pour déclarer persona non grata en Haïti. Exalus Mergena Gonaïve Télévision nationale d'Haïti. Voilà, amis téléspectateurs, c'est le moment pour nous observer un coup de pause dans le journal. Ça, nous invitons à rester branchés. Nous retournons dans un petit moment. Dans l'actualité internationale, là, environ 75 personnes blessées dans l'effondrement building dans la capitale pays Indonésie, Jakarta. Incident ça, passé jeudi lundi 15 janvier 2018. Là. D'après la police indonésienne, une centaine de policiers et secouristes étaient dépêchés sous place pour porter victimes au secours. Suivez un reportage. Incident ça arrivé vers midi, les pays Indonésie, un étage d'un gros building. Président de la République, Jovenel Moïse, posé vendredi 12 janvier en première roche pour reconstruction par les nationales qui est écrasé dans le tremblement de terre 12 janvier 2010. Là. Travail traitement ravine qui a réalisé dans le département de par plan poursuivre. La délégation du ministère de l'Agriculture, accompagnée à quelques représentants du Fonds international pour le développement de l'agriculture FIDA, visité l'état avancement travail. À l'étranger, environ 75 personnes blessées dans l'effondrement de building dans la capitale pays Indonésie, Jakarta. Incident s'est passé jeudi lundi 15 janvier 2018. Là.
Eh bien, messieurs, dames, c'est la journal La Boute pour jeudi. Hein? Merci pour fidélité ou avec attention. Nous invitons à être branchés pour nous souhaiter tout le monde passer une excellente semaine sur Télévision Nationale d'Haïti. Bonsoir tout le monde.